Welcome everybody, and thank you so much for being here. And just I know that sort of most of you probably speak French and English, but just before I switch to French, can you check the little globe so at the bottom of your Zoom and select the channel that you want to be in? So if you want to listen in French, select French. If you want to listen in English, select in English. And if you're comfortable with both, go with the original audio. Et c'est à ce moment-là que je vais changer en français pour pouvoir souhaiter la bienvenue à Agnès Martin-Lugan. C'est notre absolu plaisir et honneur de vous avoir ici avec nous pour donner ce deuxième keynote de notre conférence sur le roman populaire, sur le féminisme dans le nouveau roman populaire. Donc, nous vous remercions d'être ici avec nous et de partager cet après-midi avec nous, Agnès Martin-Lugan. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est moi qui suis honorée d'être parmi vous et d'avoir l'occasion de vous parler de mes romans, de ma manière d'écrire, de mes personnages, de mon parcours. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de cet après-midi en votre compagnie. Merci beaucoup. Et je sais que ça fait 2 ans et demi qu'on essaye de nous Oui. voir. Donc, c'est vraiment absolument super de pouvoir le faire et d'avoir vraiment ce public un peu de partout dans le monde, de France, du Royaume-Uni, de l'Australie, d'un peu partout. Juste pour vous donner un peu au reste du monde la structure d'aujourd'hui, je vais commencer avec une introduction. Je vais aussi partager avec vous un Padlet. C'est la première fois que je le fais, donc c'est un peu plus très artisanal, pour que vous connaissiez plus les romans d'Agnès Martin-Lugan. Et après, on va commencer une discussion plus générale. On va avoir aussi des lectures en français et en anglais. Quand on commence les lectures, ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas l'interprétation dans vos écouteurs. C'est parce qu'on va avoir la lecture en français, suivie par une lecture en anglais offerte par mes étudiantes, à qui je veux le remercier pour s'être rejoint à nous aujourd'hui. Donc, j'y commence, j'ai beaucoup d'émotions, donc restez avec moi, mais j'y vais. Donc, Agnès Martin-Lugan est née au bord de la mer, à Saint-Malo, dans le nord-ouest de la France, et elle commence sa carrière comme psychologue clinicienne spécialisée dans la petite enfance et les relations mère-enfant. Pendant son congé parental, elle publie son premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café, en format auto-édité sur la plateforme Amazon. Dans quelques jours, le roman grimpe les tops de la plateforme, vendant des milliers d'exemplaires, arrivant très vite jusqu'à la première place. Dans quelques mois, elle est repérée par la maison d'édition Michel Lafon, publiant avec eux un roman chaque année. 10 ans après, donc en 2022, aujourd'hui, donc 10 ans après ses débuts sur Amazon, Agnès Martin-Lugan a écrit 10 romans vendus dans plus de 4 millions d'exemplaires, traduits dans 35 langues autour du monde. Ces romans mettent en scène des femmes fortes et indépendantes à différentes étapes de leur vie qui doivent trouver des outils et solutions pour retrouver le bonheur, l'équilibre, la paix intérieure, l'amour ou l'amitié, en se débarrassant des regrets. Accompagnant ces héroïnes dans leur quête, les lecteurs et lectrices rient, pleurent, partagent de l'amour et de l'empathie, démontrant que c'est tout à fait vrai que les gens heureux lisent et boivent du café. Et je vais copier dans le chat pour vous. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais un Padlet, mais je pensais que c'est plus facile d'avoir accès à un Padlet. Comme ça, vous y avez accès même après la conférence. Et je voudrais remercier à Honoré Dupuis d'Anjac de l'équipe Michel Lafon qui nous a donné tous les matériaux qui sont disponibles sur le Padlet. Je vais le partager avec vous. C'est bien sûr, vous le voyez ici sur l'écran, c'est tout petit. Mais vous pouvez bien sûr agrandir l'écran. Ici sur la gauche, vous avez la biographie d'Agnès Martin-Lugan et le lien vers son site officiel avec beaucoup, beaucoup de matériaux. Et si vous appuyez sur chaque case, vous allez voir une description plus en détail en anglais et en français ici dans les commentaires. Et bien sûr que vous pouvez agrandir l'écran. Donc c'est juste pour vous, pour l'avoir, pour lire un peu sur tous les 10 romans que Agnès a écrit jusqu'à cette heure.
Et je pense qu'on va commencer avec notre discussion, si on est tout prêt. Donc, je voudrais parler avec vous du choix de la voie narrative, parce que vous écrivez à la première personne et le plus souvent, c'est du point de vue des femmes. Comment êtes-vous arrivée à ce choix narratif? C'est venu en fait d'une manière très très naturelle lorsque j'ai commencé à écrire pour la première fois en fait. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans l'écriture des gens heureux lisent et boivent du café, qui est véritablement mon premier roman, hein, j'en avais pas d'autres, je m'étais jamais essayée à l'écriture de romans avant. Mais instinctivement en fait, le jeu s'est imposé à moi. Tout de suite, j'ai écrit à la première personne et c'est un choix que j'ai jamais en fait. Remis en question en fait depuis toutes ces années aujourd'hui. Alors voilà, plus j'avance dans le temps, je commence à faire des petites sorties de route, hein, voilà, dans mon roman de l'année dernière, La Datcha, j'ai un chapitre qui est totalement à la troisième personne. J'ai réitéré pendant l'écriture de La Déraison, mais voilà, c'est véritablement pour le moment à des C'est des choses très ponctuelles. Quand j'écris à la troisième personne, c'est parce que je me sens vraiment dans une situation où je dois m'extraire à un moment ou à un autre de la peau de mon personnage principal. Voilà, comme si j'avais besoin d'être au-dessus, et particulièrement, c'est ce qui s'est passé dans ce chapitre de La Déraison, mon dixième roman. Mais en dehors, voilà, de ces exceptions, je pense qu'aujourd'hui, je suis encore incapable d'écrire un roman de bout en bout autrement qu'à la première personne. Parce que je crois que dans mon processus d'écriture et dans mon processus d'identification avec mon personnage principal, pour moi, ça m'est indispensable. C'est une manière, quand je débute l'écriture, en fait, de vraiment me glisser dans sa peau. Et de commencer à rentrer en fusion en fait avec, parce que ça fait vraiment partie de ma manière d'écrire. Si je ne suis pas en fusion avec mon personnage principal, je suis incapable d'écrire. Enfin, il y a quelque chose, ou alors ça sonne, en tout cas, à mon sens, ça ne sonne pas juste. Et il faut toujours ce moment où je sens que je bascule et où en fait je vais m'oublier au profit de mon personnage principal, où véritablement j'ai plein de souvenirs d'écriture où je ne sais plus qui je suis. Même quand je fais ma pause, enfin que je sors de mon bureau et que je vaque à mes occupations du quotidien, que je vais retrouver mes enfants, j'ai toujours un temps où je vais presque avoir un mouvement de recul en me disant mais attends, t'es toi ou t'es elle, à ce moment, enfin voilà, j'ai toujours ces moments de passage du monde de l'écriture au monde de ma vraie vie. Et après, le jeu féminin, parce que je rebondis sur la deuxième partie de votre question, ben je dirais que voilà, c'est venu pareil, d'une manière naturelle. En écrivant Les gens heureux lisent et boivent du café, immédiatement, ça a été. Quand la première idée du roman a commencé à germer dans ma tête, voilà, si je dois vous raconter en détail, voilà, j'étais dans le séjour chez moi, mon mari et mon fils, qui avaient 18 mois à peu près à l'époque, jouaient dans le salon, et j'ai eu ce sentiment que le temps s'arrêtait. Ça m'a pris à la gorge et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je deviens si je les perds? Et je me suis dit, bah, je m'en vais, enfin, je vais m'enterrer vivante très très loin. Et là, je me suis dit, tiens, c'est cette histoire-là. Si j'essaye pas d'écrire avec cette histoire-là, je n'essaierai jamais. Et tout de suite, en fait, ça a été l'histoire d'une femme. Immédiatement, enfin, c'était déjà ce processus d'identification en fait qui se mettait en place avant même que je sache si j'étais capable d'écrire ou pas. Après, bah, voilà, tous les romans qui ont suivi ont tous été avec des personnages principaux féminins. J'ai eu deux sorties de route, pareil. Pour mon cinquième roman, j'ai toujours cette musique dans la tête où, quand je commençais à cogiter autour de cette histoire,
Le personnage masculin, le personnage de Yanis, a commencé à faire de plus en plus de bruit, enfin, comme s'il était en train de me dire qu'il avait beaucoup de choses à dire et que je ne pouvais pas me passer de sa parole. Donc, je l'ai écouté et je me suis lancée dans l'exercice d'un double point de vue. Et j'ai réitéré avec La Déraison, mon dernier roman, alors avec d'une manière un peu beaucoup plus intense, parce que là, on est vraiment dans une alternance de points de vue entre un homme et une femme tout au long du roman. Et c'est une expérience que j'ai vraiment, pareil, qui est venue d'une manière naturelle et instinctive. Je crois que j'ai beaucoup besoin de ce côté instinctif dans l'écriture. Voilà, quand un personnage s'impose à moi, que ça soit un homme ou que ça soit une femme, s'il fait vraiment beaucoup de bruit, c'est qu'il a sa voix au chapitre et que je dois le laisser parler. Donc, voilà, au bout de 10 ans, j'ai déjà expérimenté plusieurs formes narratives et en même temps, j'ai l'impression que je suis qu'au début de l'exploration. C'est super. Et en fait, vous avez déjà... J'ai anticipé sur les choses. Anticipé ma deuxième question, justement, sur ce changement de voix qu'on voit dans La Déraison, mais aussi dans Le Rang, j'ai toujours cette musique dans la tête. Mais parce qu'on est au moment des changements, donc changement de voix narrative ou changement de point de vue, on voit aussi un changement au niveau des titres. Oui. On est passé des titres plus longs des premiers romans vers des titres plus courts, plus récents, juste un nom avec un article ou un adjectif pronominal. Donc, comment s'est passé ce changement au niveau des titres? Alors, il n'a pas du tout été calculé. C'est vrai que pour tous mes premiers romans, enfin, c'est venu. Enfin, voilà, je cherchais des phrases. Enfin, j'avais besoin de phrases qui pouvaient raconter à elles-mêmes une histoire, en fait, et interpeller le lecteur. Et puis, je trouvais des phrases, en fait, qui correspondaient à ce qui se passait, à ce qui se passait dans le roman. Alors, pour le, voilà, les gens heureux, ils y boivent du café, voilà, entre mes mains, le bonheur se faufile. Pour La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui est la suite des gens heureux, ils y boivent du café. Ça a été beaucoup plus compliqué, en fait, parce que il fallait faire suite justement aux gens heureux, ils y boivent du café et c'était pas n'importe quoi. Voilà, je l'ai ce titre, j'ai cru ne jamais le trouver. Hein. Je disais, on va sortir un roman sans titre, on va juste mettre les gens à la suite. Enfin, vraiment, il y avait rien parce que il fallait être à la hauteur de ce fameux premier titre. Et puis en fait, j'ai été puisée dans une des musiques que j'avais écoutées pendant le roman et pendant l'écriture du roman, et je trouvais finalement que voilà, cette phrase, la vie est facile, ne t'inquiète pas, tout le monde sait que c'est le contraire, mais j'aimais bien ce côté en fait provocateur dans le titre et qui correspondait bien à l'état d'esprit de Diane à la fin, à la toute fin en fait, puisque voilà, elle était véritablement guérie, elle allait vers la lumière, enfin elle était arrivée même à la lumière. Voilà, ensuite j'ai continué et puis on arrive à mon 7e roman, Une évidence, qui a bousculé beaucoup de choses pour moi dans l'écriture, parce que ça a été la première fois que j'ai commencé à écrire un roman sans connaître la fin. Jusque-là, en fait, Alors, mes 3 premiers romans, j'avais un plan extrêmement détaillé, je connaissais tout, chaque scène, enfin, il n'y avait pas de place au hasard, j'essayais de verrouiller mes personnages, c'était pas toujours facile, je m'en rendais bien compte, mais je tenais encore à peu près le coup. Et puis il y a eu les 3 du milieu, où là je connaissais le début, le milieu, la fin, mais pas les chemins qu'allaient prendre les personnages, et je commençais de plus en plus justement à me laisser surprendre par mes personnages. Et puis j'arrive à ce 7e roman, où je connaissais, voilà, j'avais le début, j'avais les personnages, j'avais une trame, mais aucune idée de la fin. Je ne savais pas du tout comment le roman pouvait se terminer. J'avais beau chercher, je ne trouvais pas. Mais il y a eu un moment, j'ai ressenti quand même une urgence à me mettre à écrire. Enfin voilà, l'écriture et mes personnages m'appelaient, donc il fallait vraiment que j'y aille. Donc ça a été quand même quelque chose d'extrêmement vertigineux, en fait, de me lancer dans cette écriture. Et puis il a vraiment fallu attendre très très longtemps pour que cette fin se dessine. Je l'ai découverte quasiment en même temps que le personnage principal. Et en même temps, quand je l'ai découverte, cette fin, ça a été une évidence. Je l'avais sous les yeux.
depuis le début et je ne voulais pas la voir, exactement comme mon personnage principal. Et ce mot évidence, en fait, il est revenu et je me suis dit, mais c'est ça, ça ne peut pas être autre chose. Donc, quand je suis arrivée devant mon éditeur avec ce titre où on passait des gens heureux, les éboueurs du café, 6 ans plus tard, une évidence, c'était qu'est-ce qu'elle fait là? Et en fait, ça faisait sens. Donc, moi, si vous voulez, mes titres, il faut toujours qu'ils fassent sens. Donc, depuis, ça a toujours été des titres courts. Je ne m'interdis pas de refaire des titres phrases. C'est-à-dire que si, pour un de mes prochains romans, j'ai une phrase ou un groupe nominal un peu plus étoffé, en tout cas, qui apparaît et qui fait sens par rapport au roman, et où je me dis, c'est le titre et ça ne peut pas être autre chose, eh bien, je rechangerai à nouveau. Et je pense que on est à peu près à 15-20 minutes de discussion. Donc, est-ce que ça vous dirait d'en fait de commencer avec la lecture du premier chapitre de La Déraison? Comme ça, on va introduire le reste du monde à la traduction. Et donc, ça veut dire que dans quelques secondes, on va arrêter l'interprétation. Donc, n'oubliez pas, quand vous revenez après la lecture d'Agnès Martin-Lugan et la lecture de notre étudiante Nadia, de resélectionner votre chaîne dans le globe qui se trouve en bas. Et je voudrais aussi remercier Rosie Eyre, qui est la traductrice qui a traduit ces chapitres spécialement pour notre conférence. Donc, je pense qu'elle va nous rejoindre à un moment plus tard. Mais ce que je voudrais faire, c'est aussi mettre son lien, donc le lien vers sa page web. Comme ça, vous pouvez aller voir son travail parce qu'elle travaille sur d'autres textes aussi et sur les textes d'Agnès. Donc, en particulier parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent dans la traduction ici dans la conférence. Donc, je pense que we can stop the interpreting. Et je laisse la parole à Agnès Martin-Lugan pour le premier chapitre de La Déraison. The folly. Quelque part, le vent soufflait. La marée était haute. La houle comblait mes espérances. Les vagues frappaient la falaise dans un fracas continu. Elles martelaient si fort la roche qu'elles repartaient au large et entraient en collision avec les suivantes, créant des gerbes d'écume bouillonnante. Fascinant. Apaisant. Ce déchaînement des éléments m'attirait inexorablement. Je pouvais sauter, disparaître à jamais. Enfin. On ne me retrouverait pas ou alors dans plusieurs semaines. Sur quelle plage mon corps serait-il charrié? Peu importe. Était-ce le moment? Celui que j'attendais depuis si longtemps? Rien ne me retenait. Un rire amer s'échappa de ma bouche tandis que la pluie s'abattait sur moi. J'y étais. Un pas. Un deuxième. Un troisième. J'étais au bord, prêt à basculer. Le précipice m'appelait. Les yeux fermés, je convoquais des notes. Les accords qui m'accompagneraient. Mon esprit les jouait dans une dernière partition. Le visage de Nathan m'apparut. Je reculais en chancelant, la respiration courte. Si courte que je dus reposer mes bras sur mes genoux, le corps brisé en deux. À croire que j'avais couru. Mon regard foudroya la tempête venue trop tôt. Je hurlais sur elle. Elle me narguait. Tenir encore pour lui. Nathan était le seul être sur cette terre que je devais protéger. En titubant, je regagnais la maison. Cette maison comme une tanière, comme un piège. Armée de ma bouteille et de mes cachetons, je sus que la nuit ne serait pas si décevante. Merci beaucoup. Et maintenant, Nadia, if you want to start with the English translation of chapter one. Somewhere. Wait, sorry, can you hear me? Perfect. Yes. Somewhere. The wind was up, the tide was high, the swell was just as I'd hoped. Waves were thrashing against the cliff, each one pounding the rock so hard that it was hurled back out to sea and into the path of the next, creating furious eruptions of spume. The frenzy of the elements was enthralling, soothing, irresistible. I could jump, disappear forever, at last. They wouldn't find me, or not for weeks. Which beach would my body wash up on? It didn't much matter. Was this the moment,
the one I'd been waiting for all this time. There was nothing stopping me. A bitter laugh burst from my lips as the rain battered down on me. I'd made it. One step, two, three. I was at the edge, ready to drop. The void was calling to me. Closing my eyes, I summoned up notes, the chords that would accompany me. My mind tinkled them out in a final score. Then I saw Nathan's face. I reeled back, gasping, so breathless that I had to rest my hands on my knees, my body cleft in two. Anyone would have thought I'd been running. I glowered at the storm that had come too soon. I roared at its mockery. Keep going, for his sake. Nathan was the only being on this earth I had to protect. I staggered back to the house. That house like a lair, like a trap. Armed with my bottle and my pills, I sensed the night wouldn't be quite such a disappointment. Thank you so much, Nadia. That was brilliant. And if everybody can please join me in thanking Nadia, because she'll have to leave a bit earlier today. So thank you so much. Both Nadia and Gia are part of the French Reading Club, and they're just finishing off their first year. So I'm very, very grateful to them for joining us today. Thank you so much. And l'interprétation est de nouveau commencée. Donc n'oubliez pas de sélectionner votre langue. Donc dans le globe en bas, sélectionnez le français ou l'anglais, ou si vous voulez rester sur l'original. Agnès Martin-Lugan, est-ce que ça vous dérangerait de parler un peu du premier chapitre, de cette incipit à la déraison, qui est vraiment, c'est la déraison. Oui. Et on voit l'image de la mère, qui est extrêmement importante dans ce roman, mais aussi dans d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des opportunités créatives que vous offre la mère dans tous ces états ? Alors, la mère, moi j'ai un rapport personnel à la mère très très fort. Enfin, je suis née au bord de la mer, j'ai grandi au bord de la mer. Ça fait 3 ans que je suis revenue vivre au bord de la mer. C'est vraiment l'élément dont j'ai besoin. Et je trouve que la mer, enfin en tout cas c'est moi, génère un flot d'émotions, mais énorme en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute la palette des émotions. C'est-à-dire que moi, la mer peut m'apaiser, comme la mer peut me mettre en colère, peut provoquer quelque chose de très puissant à l'intérieur. Quelque chose d'extrêmement viscéral. Et c'est vrai que, dans le premier chapitre, effectivement, de la déraison, là, on est véritablement dans quelque chose de violent. Le rapport violent à la mère qui va secouer, qui va appeler, mais qui va appeler aussi, pour broyer, détruire et faire du mal et être une expression de la folie, en tout cas d'un des deux personnages principaux de la déraison, en l'occurrence le personnage de Joshua. Qui est lui rongé par ses démons, sa colère, l'alcool et les médicaments, et qui va au bord du précipice pour se jeter dans la mer, parce qu'il sait que la mer elle fait pas de cadeaux, donc s'il saute, il en finira une bonne fois pour toutes. Donc moi c'est moi, dans mon rapport à la mer, par rapport à l'écriture, je ne vais pas dire que la mer m'inspire des histoires. Elle va servir de décor et de moyen d'expression, en tout cas pour lier entre les émotions du personnage et dans quel état elle est. Quand je bloque, quand il y a un moment, j'ai besoin de m'extraire de mon bureau ou après des journées nuits à écrire, mais j'ai besoin d'aller la voir en fait, j'ai besoin de marcher sur la plage, j'ai besoin de me dessouler de l'écriture, et en même temps je m'en dessoule pas complètement parce que je vais voir la mer et que je suis sur la plage en pleine période d'écriture, même si c'est pour prendre l'air et essayer de m'en extraire, je vais quand même avoir mes écouteurs dans les oreilles avec la musique que j'écoute pour écrire. Et je vais continuer à tourner en rond, mais en même temps, il y a le,
Il y a le fracas des vagues qui va être, voilà, qui va être derrière moi. Il y a le vent aussi, bah, le vent marin qui va me, voilà, qui va m'apporter une grande bouffée d'air dont j'ai besoin régulièrement pendant les périodes d'écriture. Bon, c'est ces émotions qu'on sent au début de la déraison de ce chapitre, c'est la déraison. Et nous nous rendons compte seulement à la fin qu'en fait, le personnage et la voix, c'est un homme, parce que c'est juste avec l'accord de armée de ma bouteille. Exactement, exactement. Et c'est un accord qu'en anglais, c'est perdu parce que nous ne l'avons pas. Donc, en fait, quelles étaient les intentions, quelles réactions voudriez-vous ou vouliez-vous transmettre au lecteur avec ce flou, on ne sait pas qui parle, on se rend compte à la fin qu'en fait c'est un homme. Donc, quelles étaient les réactions que vous avez imaginées pour les lecteurs? Mais en fait, j'avais envie de déjà immédiatement de les plonger dans la tête d'un personnage et justement de les interroger. Alors, je connais mes lecteurs, ils me connaissent. Beaucoup sont partis immédiatement du principe que c'était une femme. Évidemment, certains n'ont pas vu l'accord. C'est vrai, quand on lit, on perd pas toujours. D'autres, ça a été très drôle. D'autres se sont dit, mais ils ont laissé une faute. Mais non, pas du tout. C'était fait exprès. C'était, voilà, pour ceux qui avaient l'œil alerte, allaient se dire, tiens, elle nous fait un truc pas comme d'habitude. Mais oui, j'avais envie d'entretenir ce flou et justement de perdre le lecteur d'un chapitre à l'autre. Parce que voilà, le premier chapitre commence par ce quelque part. Vous passez au deuxième chapitre, vous êtes autre part. Donc, pour moi, en fait, je ne voulais pas mettre plus d'indications, parce que j'aurais d'emblée pu mettre Joshua, Madeleine, et le problème était réglé. Mais en fait, pendant quasiment toute l'écriture de la déraison, j'ai eu envie de mettre le lecteur au travail. J'ai eu envie qu'il prenne sa part, en fait, dans la lecture, qu'il s'interroge, qu'il cherche à comprendre, et qu'il cherche à aussi imaginer ce que je ne disais pas, moi, ou ce que je ne faisais que sous-entendre. Donc, voilà, pour moi, les indices étaient certes flous, mais ils étaient là. Il y avait ce quelque part, cette autre part. On voyait ou pas l'accord, mais j'avais envie de les perdre entre ces deux personnages, là aussi, pour qu'ils se disent, mais à quel moment on va trouver le lien entre eux? Voilà, j'étais pas en train de raconter. Enfin, oui, je racontais deux histoires qui étaient parallèles, qui étaient tout à fait en miroir, parce que ce qui a été volontaire de ma part dans l'écriture de la déraison, c'est que, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans le premier chapitre, c'est cette fameuse nuit au bord de la falaise avec Joshua. Vous arrivez au deuxième chapitre, vous faites la connaissance de Madeleine, et c'est cette même soirée. C'est le même temps, mais dans deux endroits différents. Et en fait, j'ai voulu jouer en permanence avec ce jeu de miroir entre eux. C'est-à-dire que quand vous avez le réveil de Joshua le lendemain matin au petit déjeuner, le chapitre qui va suivre, c'est le petit déjeuner de Madeleine, pour voir justement montrer la différence d'état des lieux dans leur vie et où ils en sont, pour continuer à entretenir le flou, où on se dit, mais ils n'ont vraiment rien à voir ensemble, mais il doit bien y avoir quelque chose, parce qu'après, mes lecteurs me connaissent aussi. Mais voilà, j'ai aimé énormément brouiller ces pistes, et je vous dis, ne pas tout dire. C'est-à-dire que quand j'écris, enfin, ce roman fait partie d'un de mes plus courts, mais parce que j'ai voulu aller à une écriture essentielle, pas de fioritures, pas de détails. Je voulais vraiment rester centrée sur les deux grandes thématiques du roman, qui sont la mort et la folie d'amour, et ne mettre en mots que ce qui servait finalement ces deux thématiques et la progression des deux personnages. Il aurait pu être quatre fois plus gros, hein, mais c'était plus du tout la même histoire dans ces cas-là. Si j'avais raconté de bout en bout toute leur vie, c'était plus la déraison, en fait. J'en faisais une saga et c'était absolument pas ce que je cherchais. C'était absolument pas l'écriture vers laquelle j'étais appelée, en tout cas par rapport à ces personnages-là.
On a déjà parlé de musique et de musicalité, et je pense qu'on va y revenir parce que c'est très important pour votre œuvre. Mais dans ce premier chapitre, on voit des phrases plus longues ou des phrases plus courtes ou même juste des phrases qui sont un seul mot. Donc, il y a une certaine tonalité qu'on cherche, un certain rythme. Donc, quelle est cette tonalité que vous voudriez transmettre, en particulier dans un roman où la musique devient plus importante parce que c'est vital pour les deux personnages, la musique, la tonalité, le rythme. Ben, si vous voulez, ces phrases, voilà, qui passent, enfin voilà, où toutes les longueurs, en effet, enfin voilà, il y a un peu de tout. Mais pour moi, ce style, cette manière d'écrire, en fait, correspondait à ce que je ressentais de l'état d'esprit du personnage. Joshua est dans, il peut être voilà dans quelque chose de très haché dans sa manière de ressentir les choses, d'extrêmement violent. Et parfois un mot suffit à dire la violence. Un mot pour moi parfois est mais 10 000 fois plus impactant qu'une longue phrase qui ferait 5 lignes. Mais pour autant parfois Joshua il a cette capacité. Et je pense à des passages plus lointains dans le texte, il a cette capacité de partir, de laisser aller sa réflexion quand il est, on va dire, dans une phase, je ne vais pas dire calme, parce que Joshua n'est jamais calme, mais où en tout cas, il laisse son esprit réfléchir et où il prend du recul sur sa propre vie, où il se raconte à lui-même sa propre vie. Là, il est capable de partir dans une forme de digression autour de lui, autour de ses états d'âme, autour de ce qu'il a vécu. Donc, pour moi, il y avait une forme de logique vu sa folie, à ce qu'on passe d'une écriture à l'autre comme ça, d'une manière absolument pas calculée. Si vous voulez, quand j'écrivais les chapitres de Joshua, alors déjà, je n'étais absolument pas la même que lorsque j'écrivais les chapitres de Madeleine, mais même physiquement, dans ma manière de me tenir, j'avais quelque chose de très tendu, tout mon corps s'arc-boutait. Il m'a vraiment habité d'une manière très très puissante, et en fait cette espèce de enfin c'est le côté très alterné entre des mots saccadés et des grandes phrases, elle venait voilà clac, il y avait quelque chose de très toujours une forme de oui toujours très instinctif en fait, mais parce que c'était véritablement ce qui correspondait à l'état d'esprit du personnage. Et je crois, enfin voilà, avec 10 romans, je crois avoir un petit peu de recul, et je pense que finalement mon style s'adapte toujours en fonction de l'état d'esprit du personnage et de sa personnalité. C'est-à-dire que Diane, si je reprends mon premier roman, n'aurait absolument pas pensé comme Joshua. Ça, c'est pour ça qu'il n'est pas du tout écrit de la même manière. Mais même dans mon roman de l'année dernière, voilà, si je reprends le plus proche par rapport à La Déraison, dans La Datcha, le personnage principal d'Hermine n'a absolument pas le même mode de pensée, le même mode de réflexion que le personnage de Joshua. Donc, le roman ne peut pas avoir le même style. Absolument. Et je viens à un mot que vous avez déjà mentionné, qui est l'urgence. Parce qu'on sent cette idée d'urgence, la question du temps et de l'urgence dans ce premier chapitre, mais aussi dans le reste de vos livres, on a cette idée de, on sent que les personnages, il y a quelque chose d'urgent qu'ils ou elles doivent faire. Mais comment, ou quels sont les défis pour écrire l'urgence que beaucoup de ces personnages ressentent, en particulier dans une forme qui est très pérenne, parce que c'est le mot écrit, donc il est toujours là, on peut rouvrir le livre. Donc comment soutenir cette urgence dans le roman? C'est moi, je travaille vraiment. Si vous voulez, avant d'écrire, j'ai vraiment besoin de toute une période de réflexion pour connaître mes personnages avant de débuter, et après me laisser aller justement à ne plus être du tout dans le contrôle et à les laisser penser et ressentir. Alors, vous avez tout à fait raison en parlant d'urgence de vivre chez beaucoup de mes personnages.
ou d'urgence de régler des problèmes, en tout cas. Au-delà de l'urgence de vivre qui, voilà, qui est encore plus extrême, mais l'urgence de régler des problèmes, d'avancer, de se bousculer. Moi, je sais que mon intérêt, je suis fascinée, en fait, par tous les mécanismes humains, psychiques, conscients, inconscients, justement, pour essayer de se réparer ou d'avancer ou même de se faire du mal. Parfois, il faut savoir se faire du mal pour avancer dans la vie, et j'aime les écrire. Et c'est vrai que j'ai toujours, quand je suis en phase d'écriture, ben j'ai ce premier jet qui sort, plus ou moins réussi, ça dépend des jours. Mais voilà, après, c'est quelque chose, je vais le reprendre un nombre de fois, je dirais, indéfini. Ça dépend de la manière dont ça va sortir en premier jet. Mais si vous voulez, plus je relis, plus je suis en adéquation avec l'état d'esprit du personnage. Donc, effectivement, c'est à ces moments-là aussi où mes phrases peuvent se raccourcir, ou à l'inverse, plus se détailler, plus se travailler, plus s'ajuster, même dans les changements de mots. Parfois, il faut du temps et il faut d'innombrables relectures pour trouver le bon mot, celui qui va tout dire finalement. Et c'est vrai qu'avec La Déraison, où j'ai vraiment été dans cette recherche du mot juste à chaque fois, mais des fois, lorsque je le trouvais, il y avait une phrase qui partait à la poubelle, en fait, parce que j'avais enfin trouvé, voilà, j'avais mis le doigt exactement sur le mot que je pouvais peut-être chercher depuis des jours pour dire ce que ressentait le personnage, pour dire son sentiment, pour dire son émotion. Et c'est véritablement ça que je traque dans tous mes romans. C'est réussir, alors, c'est l'urgence, mais ça peut être l'amour, ça peut être la colère, ça peut être voilà, toute la palette émotionnelle dont l'humain est capable, mais de trouver l'expression ou le mot qui va dire. Je voulais prendre la dacha justement, parce que on voulait passer vers des questions de la dacha, mais oui. en juxtaposition, en opposition avec cette urgence, on a aussi beaucoup le passage du temps. Oui. Donc les personnages vivent dans les romans, on a un passage de temps de 10 ans, même de 20 ans, dans La Déraison, La Dacha, ou dans Désolé, je suis attendu. Donc oui. En fait, comment écrire, donc vous nous avez expliqué comment écrire l'urgence, mais comment écrire ce passage du temps pour qu'en fait il reste crédible et reconnaissable? Parce que je pense que beaucoup de vos lecteurs et lectrices s'identifient à ces personnages, donc en fait ils reconnaissent les temps, que ce soit les années 80 ou les années 2000, 2010. Alors après, c'est vrai que à chaque fois, quand j'ai pu faire comme ça des bonds dans le temps, si on parle de celui de la dacha qui fait partie d'un de mes plus longs, hein, 20 ans, voilà, il y a 20 ans qui se passent entre le premier chapitre et le deuxième, hein, donc l'écart est quand même assez est plus qu'important. Mais en fait, ça a été aussi un travail de réflexion pendant l'écriture, où je me suis longuement interrogée sur est-ce que je dois raconter en long, en large et en travers ces 20 ans ou pas, en fait. Et pareil, je reviens à toujours cette notion d'essentiel, moi dans ma tête, d'avoir essayé de trouver et de comprendre quels étaient les moments clés et importants pendant ces 20 ans qui pouvaient servir Hermine 20 ans plus tard. Je ne sais pas si je suis très claire, si Mathilde s'en sort avec mes mots, mais si vous voulez, c'est voilà, j'ai écrit ce premier chapitre où on est donc il y a 20 ans, je suis passée 20 ans plus tard, et c'est au fur et à mesure de l'écriture, voilà, où je savais que j'avais tout dans ma tête, toute l'histoire, mais elle n'était pas écrite. Mais à chaque fois, je me suis dit, allez, pourquoi on en est arrivé là, et quel est l'élément, quel est l'événement qui va pouvoir faire progresser Hermine dans son questionnement, dans son évolution, ou dans ce qui est juste en train de se passer là. Et à chaque fois, il faut, quand je travaille comme ça sur des grands flashbacks, je me demande toujours, voilà, quel est l'intérêt? Je ne veux pas écrire quelque chose ou raconter quelque chose juste comme ça,
parce que ça délaye des pages et que ça va faire joli. Non, en fait, vraiment, je reviens, je me répète beaucoup, hein, mais sur la question du sens, en fait. Et parfois, certains personnages me cachent des choses. C'est-à-dire que Hermine, moi, il y a eu un moment où je lui ai vraiment dit, parce que là, on est au temps présent, et il y a un moment où on part dans un flashback où on se retrouve avec Hermine, petite fille. Mais en fait, je sentais qu'elle me raconte, qu'il y avait quelque chose qu'elle ne m'avait pas raconté. Donc, je lui ai dit, en fait, parce que j'entretiens des dialogues avec mes personnages, je lui ai dit, maintenant, il faut que tu m'expliques, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et je sens que voilà, il est temps que tu me les dises et qu'on soit au courant toutes les deux en fait pour pouvoir avancer. Et voilà. Et du coup, bah il y a eu d'un seul coup ce chapitre flashback où j'ai rencontré enfin Hermine petite fille. Et en fait, ce passage de sa, enfin ce petit temps dans sa vie, voilà, c'est quelques jours hein, qu'elle raconte, c'est pas plus, était suffisant pour comprendre qui était Hermine aujourd'hui. Donc, et c'est vraiment toujours cette question en fait que je me pose quand il y a des flashbacks. Et c'est pour ça que là, des raisons, oui, effectivement, il aurait pu être trois fois plus gros, mais en fait, à quoi bon ? Il fallait l'essentiel de l'histoire de l'un, de l'histoire de l'autre, pour comprendre pourquoi ils en étaient là aujourd'hui. Je dois reconnaître que sur ces pages sur Hermine, je les ai vraiment senti, c'était comme si les portes se sont ouvertes et les larmes et toute l'émotion et tout est sorti. Donc, je sais exactement le passage dont vous parlez. Vous avez compris lequel. Oui, et donc, c'est ça le roman, La Dacha, qui a été publié en 2021. Et en fait, ici, nous voyons un lieu, La Dacha en l'occurrence, qui devient presque un personnage à part entière. Ah oui. Et oui, oui. Comme c'était publié en 2021 et comme on vient... espérons de sortir de cette pandémie. Est-ce qu'il y a-t-il des liens entre cette histoire qui est en fait presque en huis clos, bien sûr il y a des sorties, mais c'est presque en huis clos, et en fait que la majorité d'entre nous étions enfermés ou confinés ou dans un huis clos d'une certaine manière. Oui, alors c'est tout le paradoxe de ce roman, effectivement. C'est-à-dire que moi, La Dacha, alors par rapport à l'histoire de ce roman, il y a deux choses. Alors ça faisait plusieurs années que j'avais envie d'écrire un roman qui se passe dans un hôtel, puisque La Dacha c'est le nom de l'hôtel où tout le roman se passe. Mais voilà, les personnages qui s'imposaient à moi pendant toutes les années précédentes, ils n'étaient pas faits pour aller dans un hôtel. Donc voilà, mais je gardais ça dans un coin de ma tête. Et puis au printemps 2020, alors je vais vous recontextualiser par rapport à nos confinements en France. Donc en France, on sort du premier confinement qui a été le plus dur, où on n'est vraiment pas du tout sorti de chez nous. Et là, je commence à penser à mon prochain roman, parce que j'ai pas du tout été capable d'écrire, moi, pendant le... Je n'ai pas du tout mis à profit le premier confinement, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. L'hôtel revient très vite. Et je me dis, mais il faut absolument que j'écrive enfin ce roman après lequel je cours, qui se passe dans un hôtel. Et je me dis, mais qui peut vivre dans cet hôtel? Et donc, les trois personnages se sont imposés à moi à ce moment-là, donc Hermine et Joe et Macha, qui sont les propriétaires de l'hôtel. Tout l'été, où on était un peu plus calme en termes de Covid, je cogite le roman. Le Covid réexplose en France, donc fin août. Moi, à ce moment-là, je rentre dans mon bureau pour commencer à écrire le roman. Et là, en fait, grâce à La Dacha, je n'ai pas du tout vu les 6 mois suivants de Covid. C'est-à-dire que je me suis trouvé un refuge, et ce refuge a été La Dacha. Et pourtant, et à juste titre, ce que vous dites, c'est que c'est un huis clos, puisqu'on ne sort quasiment pas de l'hôtel. Oui, mais c'est un huis clos où les gens se touchent. Les gens s'embrassent, les gens partagent des repas ensemble, les gens dansent, les gens pleurent dans les bras l'un de l'autre. Enfin, c'était finalement toute la vie qu'on avait avant. Et à ce moment-là, on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on allait pouvoir la retrouver. Et en fait, je me suis coulée d'une manière tout à fait naturelle à La Dacha et j'y étais très, très bien. Et moi, quand je dis que ça a été le refuge d'Hermine, La Dacha, mais à cette période-là, ça a véritablement été le mien, où je ne voyais pas du tout ce qui se passait autour.
Parce que j'étais là-bas, en fait. Et quand le roman a été terminé, mais moi, j'ai dit, je veux y retourner, en fait, parce que moi, je ne voulais pas du tout retourner dans la réalité qui ne s'était absolument pas améliorée, puisque là, on arrive à peu près au mois de janvier 2021, donc autant dire que ce n'était pas terrible à cette époque-là. Mais en fait, voilà, moi, j'ai été dans la bulle, dans un autre huis clos, mais qui m'a protégée, en fait, du huis clos sanitaire dans lequel le monde entier vivait. Absolument, c'est un huis clos qui est quand même plein d'espoir, d'amour, oui. D'amitié. Donc, c'est cette idée de refuge. Nous avons en parlé au panel avant cette intervention. Ouais. Nous avons justement parlé de cette idée d'échapper, de refuge. Donc, peut-être on va avoir des questions sur ce sujet. Et en fait, je suis consciente du temps parce qu'on pourrait parler des heures et des heures. Donc, est-ce que ça vous dira d'aller vers le chapitre 19 de la déraison? Donc, c'est à ce moment-là, je vais faire exactement les mêmes points pratiques parce que je pense qu'on a de nouveaux membres dans le public. Donc, dans quelques secondes, l'interprétation, elle va finir. On va avoir le chapitre lu en français par Agnès Martin-Lugan, suivi par la traduction lue en anglais par notre étudiante Gia Aurora. Et la traduction, elle a toujours été faite par Rosie Hay. Et vous avez le lien vers son site dans le chat. So, the interpretation is going to finish now and we're going to go on to the reading. Donc, quand vous êtes prête, on peut y aller. Au centre de la plage, la nuit qui tombait les protégeait, les enveloppait, les dissimulait. Elle atteignit enfin le sable. Elle lutta contre un vertige qu'elle défia pour le tenir loin d'elle. Il n'avait plus besoin de se dépêcher, de courir vers elle. Elle n'était plus un mirage. Il était en paix. Elle l'avait toujours apaisé. Il sut qu'il ne sauterait pas. Elle le chercha du regard gêné par la pluie. Elle le vit. Son cœur battit plus fort, à tel point qu'elle crut que son corps se dissolvait sous le coup de l'émotion. Elle ne s'attendait pas à ce que cela soit si violent. Comment était-ce possible qu'il ait encore ce pouvoir sur elle? Il marcha encore quelques mètres vers elle, puis s'arrêta. Elle devait lui revenir, le rejoindre. C'était à elle de le retrouver. Leur dernier rendez-vous manqué ne devait plus l'être. Alors, il lutta contre la pulsion de franchir la distance en premier. Il se prépara à se contenir, à garder la tête froide et savoura sa victoire, l'admirant tandis qu'elle marchait avec fébrilité vers lui. Il la sentait bouleversée, il avait gagné. Elle ralentit, se convainquant que tout était encore possible. Soit elle n'allait pas mourir, soit elle pouvait faire demi-tour, oublier qu'il était là et rentrer chez elle. Elle eut envie de rire. De la méchanceté de la fatalité, de sa faiblesse, de sa stupidité. Comment avait-elle pu songer qu'elle aurait la force de lutter contre cette attraction? Elle savoura chaque seconde du chemin jusqu'à lui. Il n'y aurait pas deux retrouvailles. Il n'y en aurait qu'une, et ils étaient en train de la vivre. Ses jambes la portèrent à peine sur les derniers mètres. Elle était devant lui. Enfin, il lutta contre leur rituel. Il ne s'autorisait pas encore à prendre sa main, passer son pouce sur sa peau, comme il le faisait toujours quand il se retrouvait après une séparation trop longue. Il ne voulait pas l'effrayer. Il la dominait, comme avant. Elle n'avait pas grandi. Cette remarque le fit sourire. Elle avait vieilli et paraissait épuisée, éreintée, mais elle n'en était que plus belle. Sa bouche rouge, ses rides autour de ses yeux de cette couleur si particulière, un iris vert entouré d'un fil d'or. Son cou fin est dégagé malgré le froid. Il aimait poser sa main dessus, l'entourer, le protéger. Il était toujours aussi grand face à elle. Elle se sentait toujours aussi fragile devant lui. Rien n'avait changé. Son regard dur et tourmenté lui donnait cette impression qu'il pouvait lire en elle. Il avait vieilli et n'en était que plus charismatique. Il semblait encore plus fatigué qu'avant, plus sombre aussi, et d'autant plus attirant. À l'époque, déjà, elle s'amusait à tenter de percer son mystère. Il la faisait vibrer avant, et c'était encore le cas aujourd'hui, après seulement quelques instants. Il l'aimantait, la rassurait. Il la faisait vivre. Elle était vivante, vivante et déstabilisée par sa présence. Elle était heureuse, alors qu'elle n'aurait pas dû. Maddy, tu es revenue. Maddy, ce nom qui n'appartenait qu'à lui, qu'à eux. Personne d'autre que lui ne l'avait jamais prononcé.
Ses yeux se remplirent de larmes rien qu'en entendant sa voix grave. Ils s'observaient comme des adversaires fascinés l'un par l'autre. Il paniqua. C'était trop beau pour être vrai. Il devait en être certain. Sa main se leva, s'approcha avec une lenteur infinie de ce visage dont il rêvait de jour comme de nuit. Il fixa ses doigts qui s'avançaient vers elle. Elle se retint d'aller au-devant de ce contact dont elle rêvait depuis tant d'années, dont elle était en manque depuis la dernière fois qu'il l'avait effleurée. Enfin, il la toucha. Il redécouvrit le grain de sa peau qu'il n'avait jamais oublié. Elle tressaillit. Sa main froide, forte et délicate. Ses paupières se fermèrent de plaisir. « Tu es réel. » Elle abandonna sa joue contre sa paume. Elle sentit ses doigts la caresser, essuyer la larme qui roulait. Il était réel. Ce geste était réel. Beaucoup trop réel. Elle prit une profonde inspiration. Elle respira son parfum et s'éloigna en ouvrant les yeux. Il pencha la tête sur le côté, dans un mouvement de surprise. Il endossa ce sourire narquois qu'elle aimait tant avant. Elle lui en renvoya un, timide. Elle le regretta aussitôt, percutée par le souvenir de leur rencontre. Elle lui avait envoyé le même lorsque leurs regards s'étaient croisés pour la première fois et qu'elle était déjà amoureuse. « Je dois rentrer, Joshua. Ma fille va s'inquiéter. » Sa voix douce et éraillée n'avait pas changé. La plus belle harmonie qu'il ait jamais entendue. Il lui sourit encore. Elle aussi. Puis elle se retourna et prit la direction de son escalier en se retenant de tituber. Elle était ivre. Ivre d'interrogations, de bouleversements, de culpabilité, de terreur, de regret. Lui était ivre de bonheur. Merci beaucoup. Et maintenant, Gia, pour la traduction en anglais. Gia, over to you whenever you're ready. I hope you can hear me. Perfect. Okay. In the middle of the beach, night was falling, shielding them, enveloping them, concealing them. She reached the sand at last. She beat back a wave of dizziness, fending it far away from her. He no longer felt the need to rush, to go charging towards her. She wasn't a mirage now. He was at one. She'd always had that soothing effect on him. In that moment, he knew he wouldn't jump. She scanned around for him, her view hampered by the rain. Then she saw him. Her heart gave a fiercer thump, so hard she thought her body was about to give way from the force of the emotion. She wasn't expecting it to be this violent. How could he still have such a hold over her? He walked a few more meters towards her, then stopped. She had to come back to him, rejoin him. It was down to her to find him again. The last missed encounter must cease to be the last. He fought back the urge to close the gap first. Steel to contain himself, to remain impassive. He savored his victory, drinking her in as she walked shakily towards him. He could sense her disarray. He had won. She slowed down, trying to convince herself anything was still possible. That she wasn't going to die. That she could turn around, forget he was here, and go home. She suddenly wanted to laugh at the cruelty and inevitability of it all, at her weakness, at her stupidity. How could she have dreamt she'd be strong enough to fight the attraction? She savored every moment of the walk towards him. There wouldn't be a second chance to reunite. There would only be one, and they were living it right now. Her legs barely carried her over the final meters. She was there before him at last. He fought against their old ritual. He couldn't yet allow himself to take her hand and trace his thumb across her skin, as he always used to do whenever they met again after too long apart. He didn't want to scare her. He had her in his thrall, just like back then. She hadn't grown up. The observation made him smile. She had aged, and she looked weary, exhausted, but she was only more beautiful for it. Her red lips, the creases around her eyes, with their so distinctive colouring. Green irises ribboned with gold. Her slender neck, left bare in spite of the cold. He used to love placing his hand over it, making sure it was encircled, protected. He stood as imposing as ever in front of her. She felt as fragile as ever before him. Nothing had changed. His steely, tormented expression, giving her the familiar sense that he could read what was inside her. He had aged in a way that only added to his charisma.
He looked even more tired than before, even more desolate, and all the more alluring for it. Already back then, she'd enjoyed trying to penetrate his mystery. He used to make her throb, and that was still true now, after barely a few seconds. Something about him drew her in, reassured her. He gave her life. She was alive, alive and jerked off balance by his presence. She felt happy, even though she shouldn't. Maddie, he came back. Maddie, that name which only belonged to him, to them. No, nobody else had ever uttered it. Her eyes filled with tears at the very sound of his earnest voice. They sized one another up like opponents, each transfixed by the other's presence. He felt a stab of panic. It was too good to be true. His hands rose, closing in impossibly slowly on her, on the face he dreamt of day and night. She stared at his fingers as they inched towards her, forcing herself not to hasten the moment of contact she dreamt about for so many years, that she'd missed ever since the last time he had touched her. Finally, he reached over, discovering the new grain of skin that had never left him. She trembled. His hand was cold, strong, tender. Her eyes flicked shut with ecstasy. You're real. She surrendered her cheek to the outstretched palm. She felt the caress of his fingers as they brushed away the tear that was rolling down it. He was real. His touch was real. Far too real. She inhaled deeply, breathing in his scent, then pulled away as she opened her eyes once more. He cocked his head, surprised. Then he smiled in that mocking way she so loved back then. She returned it shyly. Instantly, she regretted it, hit by the memory of their first meeting. She'd cast him the same smile when their eyes had locked for the first time, when she was already in love with him. I have to get back, Joshua. My daughter will be getting worried. Her soft, husky voice hadn't changed, the most beautiful harmony he'd ever heard. He smiled at her one more time. She smiled back. Then she turned away and headed for the stairwell, forcing herself not to stagger. She felt drunk, drunk with questions, with consternation, with guilt, terror, regrets. He was drunk with happiness. Thank you so much, Gia. That was fantastic. Join us in giving her a virtual hand of applause. Gia is also a member of our French Reading Club, and she represented our department and the university. So thank you very much, Gia. The interpretation can go back on. So, and je vais maintenant changer au français. Donc, de nouveau, vous avez les globes en bas, donc vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez en remerciant à Agnès Martin-Lugan et à Gia pour leur lecture. Et comme je suis consciente du temps, c'est 14 heures et j'ai beaucoup d'autres questions, mais je voudrais aussi donner l'opportunité au public qui est venu vous voir et vous écouter de poser des questions. Donc, en fait, je vais garder mes questions pour plus tard si nous avons encore le temps, mais nous avons à peu près 30 minutes pour des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions en anglais, en français ou dans le chat, mais c'est important de sélectionner la langue dans laquelle vous voulez entendre les questions. Donc, par exemple, Agnès et moi, nous restons sur le français. Si vous entendez, comprenez français et anglais, vous pouvez rester sur l'original. Sinon, choisissez la langue que vous comprenez, que vous voulez, et c'est ouvert à vous de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. En fait, je ne vois pas les mains, je ne vois pas s'il y a quelqu'un qui... Ah, Adalgisa. Adalgisa. And then, Orshi. I hope you don't mind if I go back to your first novels, or the first one followed by, I think, the third, the ones about the cafe. I would like to pick up a quotation from the sequel to the Happy People Read and Drink Coffee, which was the book Don't Worry, Life is Easy. And here, at the beginning of the novel, the protagonist comments on or says what she wanted her literary cafe
to be like. And she says that she wanted to be a warm, welcoming place for everybody, independently of what kind of literature they her customers might like. And so there is here a reference, a very direct reference to the themes of our conference, because it allows refers to reading as enjoyment, as pleasure, and also that it didn't matter, she says, whether her customers want a literary prize winner or a best-selling popular novel. What counted was that her customers read without feeling they were being judged because of their choices. And so reading has always been a pleasure to me, she says, and I wanted people to come to my book cafe to feel that, to explore, and for those who were the most reluctant to at least try it. And it didn't matter whether they liked detective novels, general literature, modern romances, poetry, books for young adults, biography, bestsellers, and books for the most esoteric of readers. So she is actually stocking this large variety of genres. Now, I would like to ask you whether you share Diane's preferences or ideas, and where you would place your own work in this dichotomy of literary prize-winning novels or best-selling popular novels. And also, I'd like to ask you whether the title of your first novel, it should actually be read not so much as happy people read and drink coffee, but as rather people who read and drink coffee are happy. Alors, à mon tour. Oui, alors je partage complètement l'avis de Diane et ce qu'elle dit sur voilà, sur ce qu'elle veut que soient les gens heureux, les boivent du café, son café littéraire, ou n'importe qui peut être accueilli, peu importe ses choix. Et moi, au plus profond de moi, je me dis peu importe, le principal est que les gens lisent. Moi, il y a vraiment quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'opposition des littératures entre elles. C'est-à-dire que si vous lisez du roman populaire, qui pour certains est un gros mot, le mot populaire, vous ne pouvez pas lire ce qui serait appelé une littérature plus exigeante. Mais je mets des guillemets à chaque fois hein, dans ma bouche. C'est-à-dire que pour moi, on peut passer d'un style ou d'un segment de littérature à un autre sans aucune difficulté. Et moi, ce que j'ai, mes romans sont des romans populaires, et je le dis et je l'assume, et moi, ça ne me pose aucun problème. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance et l'honneur que beaucoup de mes lecteurs me disent que grâce à mes romans, ils ont aimé lire, ou qu'ils ont renoué avec la lecture. Pour moi, en tant qu'auteur, il n'y a pas plus beau compliment que celui-ci. Peut-être que en lisant mes romans populaires, peut-être que ces mêmes lecteurs vont aller au bout d'un moment voir d'autres types de littérature dite exigeante ou plus chic ou je ne sais quoi. Mais en fait, on peut lire de tout parce que pour moi, toutes les littératures se complètent. Toutes les littératures ont leur exigence. C'est-à-dire que moi, je ne saurais pas forcément faire autre chose. Je ne saurais pas écrire de romans policiers. Je ne sais pas le faire. Mais peut-être qu'un auteur de romans policiers ne saurait pas faire ce que moi, je sais faire, par exemple. Je ne comprends pas, pour rester poli, cette opposition entre les genres littéraires. La priorité, véritablement pour moi, c'est que les gens aillent dans les librairies. N'aie pas peur du livre,
qu'ils aient l'idée de le prendre dans les mains, de le retourner, d'essayer de voir de quoi ça parle, est-ce que ça peut les attirer, est-ce que voilà, enfin c'est comme voilà, j'ai mes enfants, mon fils aîné est un lecteur de romans, le plus petit est un lecteur de BD et de manga. Évidemment, je préférerais qu'il lise du roman, je ne vais pas vous dire le contraire, mais au bout du compte, je m'en moque. Le principal, c'est qu'ils lisent. C'est un autre genre littéraire qui, voilà, moi, ils ont toute mon admiration, les auteurs de manga et de BD, je serais incapable de le faire. Et le principal, voilà, nous, je sais qu'en France, beaucoup d'enfants, en fait, lisent des mangas et des BD, mais en fait, un jour ou l'autre, ça les amènera peut-être vers le roman, et pour autant, ils n'oublieront pas les mangas et les BD. Et je trouve que justement, c'est cette richesse qu'il faut développer et qu'il faut encourager auprès des gens qui ont encore peur du livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adalgisa et Agnès. En fait, c'était de ma faute parce que maintenant, je vois tout le monde. Donc, c'est pour ça que je ne voyais pas les mains. Mais maintenant, c'était ma faute. Je suis en mode galerie maintenant. Donc, en fait, je vois tous les mains. Et je pense qu'il y avait la main de Orchi qui est avec nous de Roumanie. Donc, Orchi, c'est à vous. Yes, I thank you for being here. It was really, really interesting. Sorry, I'm talking in English, but I don't speak French. And I was very fascinated by all the things you have said, because it is so interesting to have such an intense insight into the working process of an artist, the working process of an author. I think we should do this more often, and then people would really go to bookshops. So I found it really, really interesting, all the things you have said. And what I would like to ask you, because you were talking about how you identify with your characters, or how it actually you feel them in your body, when you write from their perspective. And if you could talk, or how, I think it was the best idea, so the most touching idea for me, that you give so much autonomy to your characters, that they can decide what they do, and they are like living people, like people with full agency for you. And I think that is a really beautiful idea. And what I would like to ask you is how it is actually for you. So is it like an experience of ecstasy in sense of stepping out of yourself, or does it give you like different perspectives, or does it give you like the chances you have talked about the novel with the hotel, that it gives you like an escape from the problems? And how it is, if you can dwell even more on that, please. Oui, alors c'est vrai que le rapport que j'entretiens avec mes personnages, j'ai vraiment le sentiment à chaque roman de vivre un phénomène de dédoublement de personnalité, parce que pour moi ils ont une existence propre. Donc quand je dis que j'entretiens des dialogues avec eux, je les entretiens dans ma tête, je ne parle pas encore à voix haute, mais oui, il y a vraiment j'ai le sentiment de les entendre me répondre et me dire vers où ils vont, et c'est quelque chose entre guillemets qui s'aggrave avec le temps, cette manière dans cette manière d'écrire, où je découvre ce qui se passe au moment où j'écris, en fait, au moment où je tape sur le clavier, puisque je les laisse de plus en plus véritablement décider de tout. Donc c'est le aujourd'hui, mon processus créatif se passe véritablement de cette manière-là. Donc, c'est vrai que pour mon dernier roman, pour la déraison, donc, avant toute chose, moi, il me faut le morceau de musique qui va m'accompagner dans l'écriture de la scène que je m'apprête à écrire. Et une fois que j'y suis, ben, c'est comme si je disais au personnage, bon, alors, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui, quoi ? On en est où ? Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui gronde et ça finit par, voilà, ça finit par sortir. Et véritablement, quand je vous dis que je découvre des choses au moment où je les écris, c'est la réalité. Par exemple, si je reprends
Enfin, je peux vous donner un exemple pour la dacha et pour la déraison. La dacha, quand j'étais en train d'écrire la fin de la dacha, je ne savais pas que j'étais en train d'écrire la fin. C'est-à-dire que j'écrivais et en fait, à un moment, je me suis arrêtée, j'ai relu la dernière phrase que je venais d'écrire et je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini. Rien n'était anticipé, en fait. Et à partir de là, j'avais beau essayer de me forcer à continuer, mais non, en fait. Les personnages n'avaient plus rien à dire, ils me demandaient de les laisser tranquilles. À partir de là, ils ont à vivre leur vie auprès des lecteurs et c'est aux lecteurs d'imaginer la suite. Et par exemple, pour la déraison, pour la fin de la déraison, quand j'ai terminé d'écrire l'avant-dernier chapitre, je savais que ce n'était pas le dernier. Ça, par contre, c'était sûr. Je savais qu'il me restait quelque chose à écrire, mais je ne savais pas quoi. Donc, j'ai laissé reposer les choses pendant 2 jours. Bon, ça me trottait dans la tête, hein, évidemment, hein, parce que je savais que le roman n'était pas terminé. Et à un moment, alors je vais peut-être paraître complètement folle, mais j'ai senti comme un appel, il fallait que j'y retourne. Je me suis réinstallée à mon clavier. J'ai cherché un morceau, évidemment, pour la déraison, de piano. Et clac, le chapitre, il est sorti. Et en fait, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Je savais juste que le roman était en train de se terminer une bonne fois pour toutes. Et j'ai tout découvert en live, comme on dit. Et ça, c'est, pour moi, c'est un exercice qui... alors, c'est terrifiant par moments de se dire que j'ai plus de volonté finalement et que je ne suis que la passeuse de leur histoire, où je me dis, mais je suis vraiment... Enfin, j'ai vraiment un petit problème. Et en même temps, c'est un vertige et une adrénaline complètement folle parce que je ne sais jamais finalement quelles surprises ils me réservent. Et en même temps, quand enfin ils parlent, quand enfin ils me disent les choses, c'est un sentiment incroyable. Enfin, je dis que c'est de l'ordre de la jouissance. En fait, d'un seul coup, voilà, d'avoir enfin la réponse à mes questions. Mais je dirais que finalement, cette manière aujourd'hui que j'ai de fonctionner en les laissant avoir leur propre libre arbitre, on va dire ça comme ça, ben, c'est comme dans la vie, en fait. On ne programme pas ce qui se passe. Et ben avec les personnages, comme chez moi, j'ai l'impression qu'ils existent vraiment, ben c'est pareil en fait. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le surlendemain. Et donc, moi non plus, je ne sais pas ce qu'ils vont faire le surlendemain. Thank you very much. I think this is really amazing. All you say is amazing. And I don't think at all that is any kind of mental illness or anything like that. It's just like for me, this is a proof. great sensitivity, and as you were talking, I remember the thing a Hungarian writer once said, that the fact that we can interpret books in very different ways and words have different meaning for each of us is a proof of the existence of divine. So I think this really feels like a spiritual experience, what you are describing, and it's really cool. So thank you for sharing. Merci à vous. Merci beaucoup, Orchi. D'autres questions? Soit dans le chat, soit main virtuelle ou autrement. I would love to ask another question, but I don't want to monopolize because I have so much I'd like to ask. Is that all right, Sandra? Yeah, of course. Okay, first of all, Agnes, I have to apologize because in my first question, I didn't say how much I enjoyed listening to this conversation because I am really worried about us doing something wrong with the recording and then we have no recording of this session. So thank you very much. It was really, really great. These questions actually follows on from Orshi because she already kind of expressed some of the things that I had in my mind, but in formulating in a different way. And I'd like to ask you how relevant, obviously
it seems to me that is entirely relevant. Your profession as a clinical psychologist before you started writing. It's clear that you go deep into the inner selves of your characters and bring out, everything that is going through them. And it is, I accept the fact that characters come to the writer, the Pirandellian issue of characters who cannot leave him alone and he must write them even if their lives are drama. And so that is perfectly acceptable. I accept that. It's something that lots of writers say. However, even if they have a life of their own, the fact that you were a clinical psychologist, does it matter for the fact that you may, and this depends very much also why you became a writer after being a clinical psychologist. Do you feel that you have a stronger agency, even though the characters have a life of their own, that you actually somehow, subconsciously or deep down, you steer them in behaviors of thinking, of dealing with their inner drama in a different way that perhaps, or more agentic than your real customers, your real clients when you were a clinical psychologist? Alors, en fait, je crois surtout que... mais je vais briser le mythe d'un coup. Mes personnages, de toute façon, viennent de mon inconscient. Et je pense qu'à chaque fois qu'ils me réservent des surprises, c'est un verrou qui saute dans mon inconscient et c'est l'inconscient qui devient conscient. Et je pense que moi, ce que j'ai appris avec les années d'écriture et avec les différents personnages, c'est qu'ils me font tous cheminer, moi personnellement en tant que femme, ils me font tous avancer et comprendre des choses sur qui je suis, sur mes aspirations, mes propres angoisses. Et au fur et à mesure de l'écriture, par roman, j'entends, ben j'explore, je vais gratter moi dans mon inconscient et au fur et à mesure de leur réaction, c'est mon inconscient qui s'exprime. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, au fur et à mesure des années et particulièrement avec avec mon dernier roman. Après, mon métier de psychologue. Alors, je n'ai travaillé qu'avec des petits enfants, donc voilà, j'ai jamais eu de séance avec des adultes. Mais voilà, moi, ce que j'ai pu, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir pendant mes études et même pendant ma pratique professionnelle, parce que je continuais à me former et à lire des ouvrages de psychanalyse particulièrement, j'ai un intérêt profond. Pour justement tous les mécanismes psychiques. J'aime comprendre, j'aime analyser, j'aime décortiquer, j'aime les observer, tous ces mécanismes-là. Et c'est ce que je fais finalement avec mes personnages. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ce qui se passe justement dans leur tête. Dans leur inconscient, et que j'ai envie au fur et à mesure, un petit peu comme moi, que leur inconscient devienne conscient et qu'ils comprennent pourquoi ils réagissent de telle et telle manière. Après, c'est quelque chose que j'ai dit aussi, c'est je ne suis pas la psychologue de mes personnages. Pourquoi ? Parce que justement, ils viennent de ma tête. Je n'ai absolument aucun recul sur eux, donc je ne peux pas être leur psychologue. Mais finalement, il y a une forme. Forcément, je pense que dans mon écriture et de ce que mes personnages en fait me permettent de dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-analyse pour moi. Et c'est véritablement le lien finalement entre mon ancien métier et l'écriture. Je ne pousserai pas le vice jusqu'à dire que je continue mon métier avec mes personnages, parce que justement, comme je le disais, je ne suis pas leur psy. C'est peut-être plutôt eux qui sont mes psys, en fait, au fur et à mesure des étapes qu'ils me font franchir et de la manière dont ils me font grandir à travers ce que eux traversent comme épreuve. Oui, allez-y, Marie-Lise.
Oui, bonjour. Bon, je suis la française de service. Bonjour. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous parler comme ça en direct. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce que vous nous avez dit et je voulais réagir un petit peu, commenter de manière un peu personnelle tout ce que j'ai entendu. D'abord, quelque chose qui m'a, je dirais, un petit peu, enfin, qui m'a fait du bien en tant que française ayant vécu donc les mêmes confinements que vous. C'est vrai que moi aussi, lors du premier confinement, j'ai été complètement stoppée. Et contrairement aux gens qui disent « c'est formidable, j'ai pu en profiter pour faire ceci, cela, etc. », moi, absolument pas. J'avais plutôt besoin, je dirais, d'absorber un petit peu ce qui était en train de se passer. To process everything. Et donc, bon, j'étais incapable de transmuer cela en autre chose de créatif ou d'utile. Je n'ai pas du tout vécu comme ça. Donc, j'étais heureuse de voir que je n'avais pas été la seule dans ce cas. Bon, plus sérieusement, donc tout ce que vous avez dit sur votre rapport au personnage, un rapport un petit peu fusionnel, symbiotique, etc., que vous avez développé ensuite grâce aux questions, m'a beaucoup intéressée. Et bon, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander aussi ce qu'il en était effectivement mais vous avez répondu à l'instant d'une certaine manière sur ce que les personnages vous apportaient, vous, dans votre parcours personnel. Et par ricochet, ce que vous pensiez, espériez peut-être apporter à vos lecteurs, à moins que ce ne soit pas du tout dans vos préoccupations. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de dimension, quelque sorte cathartique pour vous-même? Ça, je crois que vous l'avez un petit peu dit. Qu'en est-il du lecteur? Vous avez dit à un moment que vous aviez souhaité le sortir un petit peu de sa zone de confort, de le rendre un petit peu plus participatif, un peu plus actif, etc. Est-ce que c'est une préoccupation donc délibérée, consciente que vous avez ou voilà, comment? Est-ce que vous avez un lecteur idéal, fantasmé, etc.? Quelle place prend le lecteur dans votre processus de création? Alors, c'est quelque chose, je dis quand je suis en rencontre en librairie ou dans les salons du livre, je ne pense pas à mes lecteurs lorsque j'écris. Mmh. Je ne pense pas à eux parce que je ne veux pas écrire ce qu'ils me demandent d'écrire. C'est-à-dire que déjà, je ne vais pas me dire il y a un code à respecter pour écrire une histoire et qu'elle plaise. Ça, pour moi, c'est impensable parce qu'il faut que ça soit la sincérité qui prime avant toute chose. Après, on dit, entre guillemets, de mes romans qu'ils font du bien. Je n'ai absolument pas cette aspiration lorsque j'écris. Moi, ce qui m'intéresse... Voilà, la première chose, je raconte une histoire. Et... mon espoir avec cette histoire, c'est qu'elle fasse réfléchir, finalement, juste réfléchir les personnes qui vont s'en emparer et qui vont la découvrir et la lire. Je ne cherche pas à faire du bien avec mes histoires. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que une fois que le roman est terminé pour le lecteur, ben, il le referme et qu'il... Voilà, j'écris des tranches de vie, j'écris des portraits, voilà, par rapport avec des épreuves de la vie comme on peut tous traverser à un moment ou à un autre. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand le lecteur referme le livre, se dise, bon, et moi, si j'avais été à sa place, est-ce que je peux me confronter à ça? Comment je peux m'y préparer? Comment est-ce que ça ne fait pas peur d'y réfléchir et de se dire... je n'aurais peut-être pas réagi comme le ou la personnage principal, mais je peux comprendre maintenant que j'ai tous ces éléments. En fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'il n'y ait pas de jugement à l'emporte-pièce sur certaines situations quand on n'a pas tous les éléments, en fait. Et c'est ça, finalement, c'est la seule visée que j'ai, si vous voulez, dans mon écriture. Voilà, mon dernier roman, La Déraison, c'est un roman qui parle de la mort. C'est pas grave d'écrire un roman sur la mort, c'est pas grave de lire un roman sur la mort, ça peut juste permettre de réfléchir
de se poser des questions et puis aussi de se désangoisser. Moi, ça a été le cas hein, en l'écrivant. C'est-à-dire que j'ai mis en mots mes propres angoisses et du coup, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur. Et voilà, moi, c'est véritablement, c'est amener à réfléchir. Bah, parfois, ça pique de réfléchir. Je ne vais pas dire le contraire. Parfois, ça fait un, voilà, ça peut faire un peu mal. Mais ça fait avancer, en fait. Et c'est véritablement la seule chose que j'espère pouvoir provoquer chez certains de mes lecteurs. Si c'est pleinement hein, dans cette entreprise-là. Et ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est qu'il me semble qu'en vous lisant, on se sent moins seul. Hein. Je fais un petit peu le lien avec l'expérience du confinement. On lit quelque chose qui, d'une certaine manière, est familier, hein, it resonates d'une certaine manière. Et c'est en ce sens-là, je dirais que ça fait du bien. Bon, c'est simplement le fait d'appartenir voilà, au genre humain. Et se sentir moins seul dans des situations hein, que vous choisissez parce qu'elles ont quelque chose d'emblématique, etc. Et bon, qu'on les ait vécues ou non, je pense qu'effectivement, on peut se reconnaître d'une certaine manière dans ces personnages ou qu'on peut effectivement, se projeter dans ces situations et qu'on se sent moins seul avec ces problèmes existentiels. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'était Orsi qui parlait d'une dimension spirituelle. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du parcours initiatique dans lequel vous entraînez vos lecteurs. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Lise et Agnès. Je suis consciente du temps, mais si on a une dernière courte question, parce qu'on a Mathilde pour encore quelques minutes. Si vous avez une dernière question avant de finir ou de remercier. Étant donné qu'on parle de personnages, oui, Adalgisa, allez-y. Sandra, I don't want to take over the last bit, though. Is there anybody else who wants to ask anything? Moi, j'en ai plein, hein, mais moi, j'en ai encore des feuilles et des feuilles. Mais si je peux me permettre une curiosité personnelle au niveau des personnages. Est-ce qu'il y a des personnages principaux ou adjuvants pour lesquels vous voudriez encore continuer d'histoire ou écrire une autre histoire? Moi, j'ai des personnages pour lesquels j'aimerais avoir savoir plus. Des nouvelles. Oui, oui, voilà. Alors, il n'y a aucune suite de prévue pour aucun de mes romans. Alors, je l'ai fait une fois, effectivement, avec Les gens heureux et La vie est facile. Mais je savais, en terminant l'écriture des gens heureux, que j'en avais pas fini avec Diane et qu'elle n'en avait pas fini avec moi et qu'elle avait encore du chemin à parcourir. Donc, c'était quelque chose qui était prévu d'emblée. Après, je dis, il n'y a pas de suite de prévu, mais en fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais il faudrait que ça ait du sens. Je reviens encore sur cette notion de sens, c'est-à-dire que... je ne vais pas juste faire une suite pour faire une suite où il ne se passerait rien et où ça serait la suite que tout le monde attend. Je sais qu'en France, je suis en train de terminer une tournée de dédicaces et on m'a beaucoup, beaucoup demandé la suite de la Dacha. Et non, en fait, parce que il n'y aura pas de suite à la Dacha si ça n'a pas de sens. Il faudrait vraiment que Hermine ou un autre des personnages, Vassili, Samuel, Charlie, reviennent frapper, mais d'une manière très très forte à ma porte, en ayant quelque chose à porter, en ayant quelque chose à comprendre, en ayant quelque chose à traverser. Sinon, je peux écrire la suite de la Dacha, ça va être réglé en 30 pages et tout le monde se dira, elle se moque de nous, c'est pas possible. Voilà, je ne peux pas dire jamais, mais il faut vraiment que je sente que je vais porter cette suite, qu'il va se passer quelque chose que moi-même je vais être bousculée et chahutée parce que mes personnages vont vivre et qu'eux sont fortement chahutés à nouveau pour qu'on repasse du temps ensemble.
Merci beaucoup. Et en attendant le roman suivant, que ce soit une suite ou non, on vous remercie de tout notre cœur. Je ne sais pas s'il y a des courtes questions. Adalgisa, une courte question, dernière question. Thank you very much. Yes, I do have one. At the end of the English translation of Happy People Read and Drink Coffee, you thanked your publisher for having gone off the beaten track and respecting my journey and my freedom. What did you mean by that? And what did you mean especially by going off the beaten track? What was the track? Were there expectations that you would follow a certain track? And how did you veer off them, off it? Alors, c'est parce qu'en fait, les éditions Michel Lafon ont été la première maison d'édition en France à publier un roman auto-édité d'une parfaite inconnue. Et c'était moi. C'est-à-dire que voilà, je suis la première en France auteur auto-édité à avoir été ensuite publiée par une grande maison d'édition et en reprenant le même roman. En fait, voilà, mon roman a eu 2 mois de vie en auto-édition sur Amazon. Et ensuite, il est sorti avec la maison d'édition en librairie quelques mois plus tard. Et c'était la première fois que ça existait en France. C'est la première fois que ça avait lieu. Et ils ont eu l'audace de le faire parce qu'ils croyaient profondément que le roman pouvait avoir une vie en librairie. Et c'est exactement le sens de mon remerciement parce qu'ils sont sortis du chemin traditionnel de l'édition française. Mais voilà, je vous parle de ça il y a 10 ans aujourd'hui, hein. Donc les choses ont évolué depuis, mais c'est exactement le sens de mon remerciement. Merci beaucoup et je pense que ça nous amène à la fin parce qu'on est dans la partie des remerciements. Et comme on parlait de la maison d'édition Michel Lafon, moi personnellement, je dois remercier à Honorine pour tout son aide, tout son soutien et tous les matériaux qu'elle nous a envoyés et pour nous avoir mis en contact pour pouvoir avoir cet après-midi ensemble. Donc, merci beaucoup Honorine et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette collaboration avec d'autres occasions aussi. Je voudrais aussi remercier à Gia et à Nadia pour leur lecture en anglais et pour leur participation à tout ce qu'on leur propose. Et aussi, on doit remercier à Mathilde que vous entendez dans vos écouteurs parce que ça n'aurait pas été possible sans Mathilde. Et aussi à Rosie qui nous a envoyé ses traductions. Et comme on dit en anglais, last but not least, on doit remercier à Agnès Martin-Lugan pour cette superbe après-midi qu'on a passé ensemble. Et espérons que dans l'avenir, on va pouvoir se voir et le passer en face à face avec les livres, avec des signatures. Un café, un verre de vin en fonction du moment de la journée. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était passionnant, assez incroyable de le faire effectivement après 2 ans. J'aurais pu continuer à échanger avec vous toutes encore très longtemps. J'espère qu'on aura effectivement d'autres occasions. Merci beaucoup aux deux lectrices en langue anglaise. Ça a été très touchant pour moi d'entendre mon texte dans une autre langue juste après. Enfin voilà, cette espèce de lecture simultanée dans deux langues, c'était très très émouvant. Donc je tiens à les remercier. Merci à toutes pour l'organisation. Sandra, merci d'avoir orchestré ce superbe moment, vraiment. Merci beaucoup. Et maintenant, je pense que tout le monde a besoin d'une pause, en particulier Mathilde. Mais avec le reste du monde, on va savoir à 15h15, 15h15, quarter past 3, pour la dernière session d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à tout de suite pour les autres.